Alors déjà bonsoir à tous et à toutes, merci d'avoir pu être présents en ce jour spécial, bon pas pour certains mais en général spécial. Donc ceux qui sont pas assis, asseyez-vous. Ça commence. Donc on est réunis aujourd'hui en ce 1er mai 2020, donc c'est une année on va dire assez pourrie, on va pas se mytho hein, mais bon c'est pas le sujet. Donc devant notre seigneur Fufu et devant cette assemblée pour unir ces deux hommes, pas lien sacré du mariage, hein, logique. Donc comme je le disais juste avant, Azur et Slender ont décidé de s'unir et pour notre plus grand plaisir créer cet événement. Pour eux, ce mariage n'est pas seulement un acte administratif, mais surtout un pas de plus dans leur vie et donc vers la vieillesse et la calvitie. Hein, messieurs, faut faire gaffe. Hein. Encore une fois, je m'égare, mais bon, vous avez tous été conviés aujourd'hui pour être témoins de cette union. Merci à Tammy et Rewax d'être présents en tant que témoins de nos jeunes mariés. Bon, d'ailleurs, je vais vous conter l'histoire. Donc, il était une fois, un serveur Minecraft, bon, on parle de ZenCraft au cas où, hein, où le communautarisme était maître mot. Le 13 octobre 2017, Azur arriva sur le serveur et tomba sous le charme fou, lol, de serveur. Le coup de foudre fut immédiat. Le temps passe, les deux êtres ne cessent de se rapprocher jusqu'à ce que la tête d'ampoule eut le courage de déclarer sa flamme à son cher étendre. Le 25 avril 2020, sous le beau coucher de soleil de Dunkerque, Azur demanda en mariage son amant. Et logiquement, puisqu'on est là aujourd'hui, c'est qu'il a dit oui. Hein. Célébrons comme il se doit donc ce mariage devant cette communauté. Donc, nous allons passer à la lecture de l'évangile de Saint Alexide. Merci, Etam. Soyez miséricordieux comme votre père l'est. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne vous condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonné. Donnez, et bon, vous avez compris le principe, quoi. Faut être gentil et avec tout le monde, faut pas faire chier le monde. C'est le principe. Donc, en vous engageant dans la voie du mariage, vous savez que vous vous promettez amour mutuel et non griffe, pas comme Maïcha, hein. Jusqu'à ce que la définition vous sépare. Les deux. Vous savez ça? Oui. Oui. Ok. Donc, est-ce que vous êtes disposés à assumer ensemble votre mission? Oui. Oui. Puisque vous êtes donc décidés, vous vous engagez alors dans la voie du mariage, en notre présence, et en présence du Seigneur Fufu, donc au-dessus de ma tête, et de son église. Oui. Donc, Azur, oui. Veuillez répéter après moi. Moi, Monsieur Renard... Moi, Monsieur Renard. Je te reçois Slender comme époux. Je te reçois Slender comme époux. Je promets de te rester fidèle. Je promets de te rester fidèle. Dans le bonheur et les creepers. Dans le bonheur et les creepers. Dans la santé et les zombies. Dans la santé et les zombies. De l'Overworld jusqu'au Nether. De l'Overworld jusqu'au Nether. Pour t'aider tous les jours de ma vie. T'aimer tous les jours de ma vie. À survivre en mode hardcore. À survivre en mode hardcore. Ok, très bien. Slender, à vous. Moi, tête d'ampoule. Moi, tête d'ampoule. Je te reçois, Azur Asgard, comme époux. Je te reçois, Azur Asgard, comme époux. Je te promets de te rester fidèle. Je te promets de te rester fidèle. Dans le bonheur et les Enderman. Dans le bonheur et dans les Enderman. Dans la santé et les slimes. Dans la santé et les slimes. De l'Overworld jusqu'à l'End. De l'Overworld jusqu'à l'End. Pour t'aider tous les jours de ma vie. Pour t'aider tous les jours de ma vie. À survivre contre les armées de pigmen. À survivre contre les armées de pigmen. À survivre contre les armées de pigmen. Ok, super. Bon, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église et que le Seigneur le confirme, et qu'il vous comble de sa bénédiction. Bon, si tu veux, Fufu, tu es comble de ta bénédiction, sinon, ça va pas. Hein. Bon. Ce que Fufu a uni, que l'homme ne le sépare jamais, ni même par une explosion de TNT. Amenez les alliances, s'il vous plaît. Que le serveur bénisse les épées d'alliance que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe de d'amour et de fidélité. Amen. Ça soit donné. Trouble-moi. Donné ou pas? Ah oui. Ok, on va dire que c'est donné. Je vous déclare donc mari et mari. Vous pouvez embrasser le mari. Voilà. Allez, le bisou.
Oui, voilà. je vais donc laisser la place à Tami. Là, je viens d'agir. Pour mon bien, ouais. À toi. Enfer et damnation! Mes chers aventuriers, citoyens, bourgeois, barons, chevaliers, seigneurs, héros, légendes, zen managers, helpers, modérateurs, administrateurs, fondateurs et squatteurs ici présents, nous venons d'assister à l'union de deux êtres qui s'aiment aussi profondément que la mine de Zencraft. L'amour qui les unit est aussi précieux qu'un minerai d'émeraude et aussi fort que la bedrock. Mais l'amour a besoin d'entretien. L'amour, c'est comme une armure raccommodage. Il vous protège. Il est précieux. Tout le monde le veut. Mais il faut farmer pour l'entretenir. / Pêche-up Tami Macaroni si vous avez besoin d'une farm XP. En voyant tant de personnes se réunir pour cette cérémonie, j'ai réalisé que les gens feraient à peu près n'importe quoi pour un repas gratuit et un bar ouvert. Et que je suis même pas payée pour faire ça. Mais enfin, je vous souhaite beaucoup de bonheur et plein de bébés villageois. Levons nos verres à Azur et à Slender. Alors, bah je laisse maintenant la place à Ray West. Ouais. Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour l'union de Azur et Asgard. Donc nous voilà tous réunis autour de Azur et Slender pour fêter donc leur grande occasion qui est leur mariage. Alors que certains meurent d'impatience en fixant le buffet qui est au fond de la salle, j'ai envie quand même de dire quelques mots pour mes amis les plus chers. Donc si on nous avait dit le jour de leur rencontre que ces deux-là allaient finir par se marier, qui aurait cru, très franchement. Cette union est bel et bien un espoir pour tous les célibataires, surtout connaissant Slender personnellement. Considéré comme incassable, vous aussi, vous aurez peut-être la chance de vous marier. Azur et Slender en sont la preuve vivante. Pourtant, au départ, rien n'était gagné, même si Azur est tombé follement amoureux de Slender. On aurait pu penser que Slender allait s'enfuir, mais il est resté parce que l'amour a pris dessus. Donc au final, c'est eux qui sont les deux grands gagnants. Non, je vois rien. Deux grands gagnants de l'histoire, et nous finis par comprendre à quel point ils étaient faits l'un pour l'autre. Donc félicitations à vous. Et même si je vous taquine un peu, sachez tous deux que nous tenions à vous souhaiter une belle et grande histoire d'amour. Vous êtes de magnifiques mariés et nous sommes certains que vous serez très heureux ensemble. Toutes mes félicitations. Alors, je finis. Alors, attendez, je vais faire un petit monde. Je ma page. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'aimerais également remercier l'ensemble de la ville d'Ozen d'avoir accueilli ce mariage, ainsi qu'en général le serveur de Zencraft. Je remercierai plus précisément Etam pour la V1 des livres de mariage. Franchement, nickel. Les témoins d'être présents à cette union, LQPS pour pouvoir streamer cette cérémonie pour nos absents, mais également merci à tous les présents pour votre disponibilité. Donc cette cérémonie du mariage du 1er mai est désormais close. Je vous invite donc à laisser la place à nos jeunes mariés pour qu'ils puissent sortir et aller fêter dignement cette union. Bonne soirée à tous. On n'oublie pas les préservatifs. Je vais les suivre, hein, au cas où. C'est pas interdit. Hein. Merci à tous. Allez, je vais donner les deux caméras. Allez-y. De lancer le bouquet, hein, oui, justement. Avant que le buffet attaque et que nous fassions une grosse bouffe, j'invite toutes les joueuses féminines ou masculines à venir participer au lancer de bouquet. Donc on va faire ça à l'arbre vert
qui est à droite, à gauche, à la sortie de l'église. 3, 2, 1. C'est moi qui l'ai. Ah, qui l'a. Donc, rien qui l'a. C'est Tammy Macaroni. C'est vraiment Tammy, elle aurait hurlé. Et c'est Tammy, il me semble. T'es où Tammy? Je suis en fly. Il faut que je montre mon bouquet à tout le monde. C'est moi ou Alex. Alex il se barre en courant. Reviens ici. J'ai le bouquet. Ça ne peut être qu'un signe du destin, monsieur Alex Kidd. Je vous remercie tous et je vous invite tous à aller bouffer. Let's go, qui part. Il y en a qui y étaient déjà. Vas-y, hein. Il y en a qui attendaient. Merci à tous d'être autour de cette table. Ah, ils sont là. Là, je vais me lever. Je vais faire. Je lève une iron bar pour notre mariage. Et si vous êtes là et que vous avez tant soit peu compté dans la vie de l'un de nous deux, je ne parlerai pas de Tukara qui. Tu regardes ton cul apparemment. T'as un cas spécial. Qui ça fait pas longtemps que je le connais. Yumi, je ne dirai rien à part qu'on est né le même jour et que ça ne peut n'être qu'un signe du destin. Minerali, que dire. Merci. Etam, merci pour l'écriture de la Bible. Kiom, on se connaît pas, mais c'est. Bonjour. Toi, on se connaît pas. Soum. Mon petit pêcheur, mon petit marin. Merci d'être là. Désolé pour toutes les sanctions qui n'auraient pas dû être. Voilà. Mais je pense que tu t'es assez vengé. Yaki. Elweria. Merci. Même si t'es un peu chiante quelquefois, tu es bien sympathique. Je t'apprécie. Rayward, merci pour la. Je tiens à remercier la maison Rayward, du coup, qui nous a confectionné tous les costumes que vous portez sur vous. Merci à la maison Rayward. Slenderkill, longue vie à nous. Et j'aimerais remercier. L'évangile Alex Kidd de nous avoir fait part de sa présence et d'avoir je voudrais aussi j'attrape le bouquet aussi je voudrais remercier Tammy aussi qui a été là aujourd'hui et qui a été là aussi avant pour moi, voilà, et c'est de quoi je parle, je pense. Bisous. Et je voudrais remercier le Saint Flux qui, sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui pour célébrer ce mariage. Et effectivement, il n'était pas autour de la table. Je remercie Fae. Je ne sais pas où il est. Je ne le vois pas. C'est pour ça que je l'ai oublié. Il est où ? Bref, je remercie Fae. Ça fait 3 semaines qu'on se connaît. Il est bien gentil. Il ferait pas de mal à une mouche. Voilà. Bon appétit tout le monde et merci. Merci le prêtre Maïcha d'avoir eu la force et d'avoir été présent ce soir. Super. Maïcha, pardon, Madagel. Le prêtre Maïcha, super. Le prêtre Madagel, non, parce que un prêtre ne grieve pas ou ne vole pas la maison des autres. Donc merci le prêtre Madagel d'avoir eu le courage d'être là ce soir. Ah oui, et je voudrais aussi remercier, j'ai oublié. On remercie tous le fameux vidéaste tant convoité par le monde Zencraftien, répondant au nom de LQPS, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. Et je remercie d'avoir filmé ce mariage. Under, un discours peut-être. Alors, je vais sauver en acceptant d'être mon témoin. Ma sœur Minerali. J'ai pas grand monde à remercier parce que. Ah, c'est ta sœur. Je suis sans amis.
à tous. Et je vous fais tous des bisous sur les fesses.